poste télé. Ben, j'ai essayé derrière, mais on y voit moins bien. Elle est drôle, cette ptiote. Tout le monde se vomir. Hi, pourquoi tu mets pas le son? Hé, Tonine, pourquoi tu mets pas le son? Quoi encore? Je te demande pourquoi tu mets pas le son. J'aime pas cette émission. Pourquoi tu la regardes alors? Ben, je sais pas quoi faire d'autre. Ben dis donc, si à 40 ans tu commences déjà à t'ennuyer, qu'est-ce que ça va donner pour plus tard? Eh ben moi, je m'ennuie jamais dans ce mi-cocktail. Dis, tu veux peut-être que je te trouve une occupation, non? Non, c'est bon, je regarde la télé. T'as une drôle de façon de la regarder, cette télé. Mais quand je la regardais, c'est qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait. Tu parles, papa, au bout de 40 ans ou de 5 minutes, tu ronfles comme un cochon. Ça t'intéresse vraiment pas ce que tu regardes? Oh, ben oui, mon pauvre gars. C'est pas toi qui regardes la télé, c'est la télé qui te regarde. Oh, vas-y, on va gagner. Oui, ils ont qu'à faire des émissions moins longues, et puis sans pub. Ah, c'est vrai, que s'il y avait moins de pub, on se coucherait plus vite déjà. Oh, j'ai le goût de parfum. Dis, tu devrais te mettre au plus près de l'écran pour la regarder, cette télé. Non, mais je disais ça, c'était pour dire le contraire. Mais je vois rien, sinon. Ben, va pas aggraver les choses, parce que sinon, faudra que tu mettes une deuxième paire de lunettes, pas dessus les autres. D'ailleurs, c'est plus des lunettes que tu vas enlever, c'est des loupes. Déjà que t'es pas... Je suis pas quoi? Ben, t'es pas Miss Monde, quoi. Mais t'as qu'à dire que je suis moche aussi, hein. Non, non, je dis juste que t'as un physique ingrat, c'est tout. Comme ton père. Voilà, j'ai préparé la gamelle du chien. J'espère qu'il a faim si j'y ai mis tous les restes de la semaine de l'an. Bon, je vais m'occuper un petit peu de moi maintenant. J'en ai bien besoin. Touche pas à ça. Oh, j'en garde ce que t'as mis, parce que des goûts, faut pas trouver des du bon. On dirait que ça sent le jarret qu'on avait il y a 15 jours, non? Alors, c'est le pot au feu d'il y a 3 semaines. Il va finir par crever le chien, avec des restes comme ça. Il a des trucs blancs au cou. Oh, tu sais. Il va finir par clamser. Oui, ça donne pas envie. À moins que ce soit la tartiflette d'il y a un mois. Ça, c'est de la femme. Oh, chambrée. Oh, puis c'est du beau, ils sont pour le bouchon. Bain de pied? Avec mon vin. Ben j'ai des verrues peint les pieds, on m'a conseillé de faire un bain de pied. Un bain de pied avec mon vin? Ben oui, ça ramollit les verrues, paraît-il. Je préférais plutôt que tu fasses un bain de bouche, j'ai l'impression que tu donnes à boire à tes pieds. J'espère que ça marche au moins, mais si quand même mon vin. Ben pas trop, hein. Mais alors qu'est-ce que ça me dit là? Tu ferais bien d'en faire autant, tiens. Oh, eh ben je suis plus d'accord avec toi, la toilette. Hein. Mais moi je suis parfaitement délancé. Tu sais ce qui me délance le plus là? C'est de lire mon journal là, comme ça tu vois. Ben alors lis-le, puis fous-nous la paix. Dieu parler. Eh ben, si on peut plus rien dire dans cette maison. Ah, ça
dit, hé, Knine, y a de chez pour toi dans le journal, là. On n'aura pas été tranquille longtemps, hein. Ah, non. Mais tu sais, déjà, tout tio, hein, il cassait les égouts. C'était à longueur de journée. Hé, Knine, y a quelque chose qui devrait t'intéresser, là-haut. J'ai l'impression de parler dans le vent, moi, des fois. Mais c'est parce que tu parles trop. Alors du coup, on t'écoute plus. Tout chou, ah. J'aurais dû y faire couper la langue. Ah, ah, t'es tranché. Ouais, t'es utile. Bon, Anthony, je crois que ton père a quelque chose à te dire. Quoi encore? Eh ben là, ils disent dans le journal quelque chose qui devrait t'intéresser. Ah, ok. Mais tu veux vraiment pas savoir, ça ne t'intéresse donc pas ce qui devrait t'intéresser, là, non? Mais accouche enfin, dis-le ton bordel, là! Eh ben là, ils disent dans le journal que de regarder la télé, eh ben c'est bon, bon pour la santé. Eh ben ils ont pas tort! Parce que nous, dans le temps, eh ben nous avons pas la télé. Hein? Ah. Eh ben nous s'ennuyons pas. Ah, puis au contraire! Parce que nous se réunissons avec la famille, les paysans, puis on jouait au cap! Te rappelles-tu, il y avait le père Machin, là, qui racontait tout le temps des histoires, non? Malheureuse, c'est à peine si les gens disent bonjour. Mais si c'est pas malheureux, ah, c'est beau. On sait d'où qui vient l'autre, hein. Bref. Ah, mais bon. Vous prenez, je pense pas la toile, hein. Ça va être dégueulasse là-dedans. Fais voir. Tiens, regarde ce qui est marqué là. Mais, dis, la Tonine, à force de regarder la télé de si près, là, elle va bientôt finir dedans. Oui, mais c'est là-dedans la télé. Ça voudrait dire qu'elle serait une star. Ben, je comprends pas. Ben, si elle était dedans, la télé, au lieu d'être devant, ça voudrait dire qu'elle serait une star. Si elle était dedans, la télé, au lieu d'être devant, ça voudrait dire que c'est les autres qui la regardent et puis elle qui regarde les autres. Mais les autres, mais quel autre? Mais les autres, les acteurs, les animateurs, les stars, quoi, mais tu comprends rien. C'est peut-être toi qui t'exprimes mal et tout. Mais non, imbécile, c'était qui comprend rien. Ah, ça, t'aime bien qu'on t'écoute, hein. Mais quand il s'agit d'écouter les autres, alors là, ça, ah. Enfin, bref. Tu te souviens quand on est allé à Paris, là? On en avait vu, des stars. Eh ben, moi j'y retournerai bien à Paris, pas toi? Et retourne plutôt mettre tes pieds dans la bassine, là. T'es en train de mettre du vin partout. Et à force, le plancher, il va gondoler. Bah tiens, c'est comme Hugolin, quand il a bu, il gondole. Tiens, d'ailleurs, c'est étonnant qu'ils soient pas venus faire son petit tour du Hugolin aujourd'hui. Ils vont retarder certainement, c'est tous les jours. Moi j'ai toujours rêvé d'être une star, hein. T'imagines la vie qu'ils doivent mener. Mais ça doit être champagne et caviar, mais tous les jours. Mais toi, t'as pas une tête à faire du cinéma, ta vie à toi, c'est pas caviar et champagne, non, 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 non. C'est pâté et pinard. À propos de pinard, je boirais bien un petit coup, moi. Parce que, à ton avis, il faut avoir quelle tête pour être une star de cinéma? Ben, les stars de cinéma, elles sont nées pour ça. Et toi, ça se voit tout de suite, t'es pas née pour ça. Qu'est-ce que t'insinues? Que je suis pas assez belle pour être une star? Oh, j'insinue qu'il faut se rendre à l'évidence. Tiens, c'est comme si la Tonine faisait une publicité vantant les mérites d'une crème de beauté. C'est pas possible. J'avais que le niveau de la flotte montait, à ce moment-là. J'en ai bien les conchons. Ça y est, ça recommence. Je suis moche encore une fois. Mais non. Mais non, t'es pas moche, toi, là. T'es... différente. Oui, mais faut toujours que t'interprètes mal mes propos. D'ailleurs, tu es très belle, mais plutôt de l'intérieur. Mais non, mais qu'est-ce que tu vas inventer? T'es pas moche puisque tout le monde dit que tu me ressembles.
Enfin, tu me ressembles, mais au moins bien, bien sûr. Qu'est-ce que vous êtes vraiment lourdingue aujourd'hui, là? Oui, enfin, faut toujours que tu déformes mes propos aussi, alors... Eh ben, t'as pas vu que c'est moi qui ai tout déformé avec vous, hein? Bonne idée. Bah, tu vas où? Voir plus loin si tu y es. Oh non, bien sérieusement là. Bah, tu verras. Ah. Non, attends, petit chien. Ah, toi aussi, tu vas voir plus loin si j'y suis, non? Non, je vais voir plus loin si tu y es pas. Hein. Ok, l'ambiance dans ce bigote. Là, Toinette, une star de cinéma, elle a de ses idées. N'importe quel comédien qui veut. Tiens, j'ai fait du théâtre, bah, tu te rappelles à la troupe à Tessibocage. Oui, ben, je pense qu'ils ont pas dû oublier non plus. Oui, bon. Mais tu sais quoi? C'est pas mon truc de me donner en spectacle. Je me suis d'ailleurs juré que je ne remettrai jamais les pieds sur scène. Non, j'aime pas trop, moi. C'est... Mon vainqueur de gauche, non. Quand je vois que j'ai acheté la semaine dernière à Francis, c'est du Jeannouette de 2001. C'est du Banshee, non, mais oh, ça me fait mal au ventre, j'en suis malheureux, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Oh non, c'est une tristitude, ça, c'est du Banshee. Oh non, je ne sais pas, c'est malheureux. Je peux pas le jeter. Quand je vois le mal que les vignerons se donnent et... Tiens, dis donc, t'es qui nous bassine depuis tout à l'heure, que t'as le gosier qui va rendre l'âme. T'en veux pas un petit peu de mal, hein? Non, j'en veux pas, j'ai plus envie. Non, je le ramasse, parce que tu vas te mal et mort si t'as pas ton crayon. Oui, merci. J'ai oublié. C'est un petit question. Ça, celui-là voilà. Mais là, tu parles tout seul. Oui, bah oui, personne m'écoute dans cette maison, alors je me parle à moi-même. Enfin, si, il y a la mère qui est dans son coin, toujours à faire ses commentaires, comme d'habitude. Hé, là, je t'avais pourvu, t'es la maman dans mon coin. T'es puni ou quoi? Et c'est tous les jours comme ça. Alors, qui se raconte, Elton? Eh ben, je me raconte que je suis pas un bon acteur. Ah, mais moi je trouve que si, moi, quand il fait croire des choses à la toilette. Oh, des choses, mais quelles choses? Mais quand tu dis que t'es parti pour aller travailler au champ, alors qu'il passe la journée allongé dans l'herbe, je t'ai vu, hein, mon con. Le nez feignant, il restera toute sa vie. C'est facile pour toi, t'as pas besoin de mentir. T'as pas de femme. Oh, mais c'est parce que j'ai pas envie de m'emmerder avec ça. Ouais, c'est ça. Tu veux finir tes vieux joues tout seul? Je suis pas tout seul, t'es là, t'es... Je suis là. Tu serais bien là en cas de pépin, quand même. Mais là, ça dépend de la grosseur du pépin et tout. Et si j'avais une maladie grave, par exemple? Mais t'es la seule maladie que tu pourrais choper, c'est la cirrhose du foie. D'ailleurs, c'est étonnant que tu l'aies pas chopé, ta cirrhose du foie, avec tout ce que tu bais. Ah, oh, mais ça, c'est parce que je bec du bon vin, mon gars. Tiens, dis donc, écoute, mon petit, je vais te raconter de chez. C'est quoi un vin de cabinette? Je sais pas. Alors, est-ce que tu connais la différence entre la lune et toi? La lune et toi? Ça commence mal. Alors, si tu veux, la lune, elle est pleine une fois par mois. Hey. Et toi, t'es plein tous les soirs. Ben, d'ici que ça monte, il y en a plus pour les jours. Vous repenserez, parce qu'il va peut-être comprendre, c'est bon. Ouais, laisse tomber. Et as-tu lu le journal d'un matin? Non, c'est qui est mort. Pourquoi tu parles de ça? Non, parce que moi, quand je lis le journal, je commence toujours
par la rubrique nécrologique. À la fin. Il y a beaucoup qui le font. Ah, ah là. Et ben comme ça, tu vois, quand j'y vois pas mon nom. Et ben je me dis que la journée commence plus, tu vois. Et dis donc, ça nous fait un point commun, hein. Ah oui. Parce que moi, je préfère faire le nom des copains à quel mien. T'as raison, ma mère. Oui, c'est sûr, ça rassure, mais tu veux pas savoir ce qu'il dit dans le journal, non? Ah, si, y a un con. Allez. La blague qui va faire sa balade de la journée. Raconte. Et dans le journal, ils disent que le vin, c'est bon pour la santé, mais avec modération. Eh, tu sais quoi quand on y pense? Tu es allé au catéchisme, toi? Et qu'est-ce qu'on y apprend au catéchisme? On y apprend que le Christ, il a changé l'eau en vin. Et ben si le Christ, il a changé l'eau en vin, c'est qu'il avait pas des bonnes raisons, celui-là. Il faut qu'on en plus. Moi, quand je bois, eh ben, je suis ivre de bonheur. Et dis donc, mon gars, t'es surtout ivre de bonne. Hé hey. Non, toujours pas. De bonheur, almatar. J'ai lu des trucs sur les dangers de l'alcool sur la santé. Et tu sais quoi? Ça fout la couille. Oh, ben c'est pas pour ça que j'ai arrêté de lire. L'ivresse efface la tristesse. Moi, tu vois, eh ben plus je bois, eh ben mieux je me sens, tu vois. Ah, sauf peut-être 20 l'autre jour, quand je suis partie pour aller pisser, là. Et que du coup, j'ai oublié d'y baisser mon froc. Eh ben c'est tout parti jusque dans les chaussettes. Bah, c'était chaud et pas désagréable sur le coup. J'espère que tu t'es changé au moins. Ah ça oui. Ah je me lave et je me change tous les dimanches. Ça fait après-demain. Oh, oh hey, ben, t'es bien qu'un dégueulasse que je te mettrai même pas avec mes cochons. Oui mais c'est parce que j'ai pas le moral en ce moment. Il se passe rien dans ma vie alors. Eh ben il est grand temps que tu te trouves une femme, parce que je t'assure, après tu t'ennuieras plus. J'ai eu dans ma mère. Oh. Mais voyons mon petit, ta mère c'est pas pareil. Ce qu'il faut c'est une femme qui s'occupe de toi. Hein. Mais c'est ce que fait maman, je t'assure. T'es un brin trop. Oh, ah si si, y'a pas pu emprunter qu'une poule qui n'a qu'un bouchon. Oh. Oh ben t'es là. Oh ben tiens, dans la mère. Mais tu vas attraper une insolation ou pas? C'est pas possible. Salut Marinette, tu tombes bas. Je disais à ton gars qu'il serait grand temps qu'il trouve une femme. Ah bah ça c'est sûr. S'il pouvait me foutre la paix un peu, celui-là. Faut s'en occuper comme ta gamin. Ah ben, faut s'en occuper comme deux gamins, ces deux zozos-là. Et tu ferais quoi s'il était pas là? Ben, il y aurait le toine. Mais le toine, il y a bien autre chose à faire, non? Je suis pas d'accord avec toi. Il est grand temps que tu te trouves une femme. Oui, il y aurait peut-être une qui m'intéresse. Oh. Oui, Mais voilà. La femme du boucher. La femme du boucher, mais c'est une femme mariée. Tu veux qu'il te découpe en petits morceaux, le boucher? C'est la première ça, quoi. Oh, c'est vrai. Tu vas pas pouvoir récupérer la cervelle, toujours. Mais bon. Ah si, il y aura peut-être la Céline, la femme du pharmacien de Tessie Bocage. Il va y refiler les abondus. Tu peux pas t'intéresser à autre chose que femme mariée du village? Oh bah, je me dis que si elles étaient mariées, c'est que c'était des femmes bien. Et regarde la Toinette, elle est mariée avec toi. Oh, c'est une femme bien, la Toinette. Pas tous les jours, je te rassure. Ah bon, je croyais. Si, il y aura peut-être la petite fromagère, alors. Ah, mais celle-là, tu peux. Ah, c'est vrai? Parce que, elle, tu vois, j'aime bien quand tu t'approches d'elle et qu'elle sent le fromage. Ça se donne envie de manger des canons.
Eh ben, pourquoi tu n'invites pas, alors? Ah, tu crois que je peux? Oui, si elle te plaît. Oh, je suis pas sûre, tu vois, je sais pas si elle me plaît. Ah, moi, je la trouve charmante. Ah, c'est vrai, tu crois que je peux? Ah oui? Ouais, bah, par contre, je sais pas trop comment m'y prendre, moi, avec les femmes. Les femmes, c'est pas compliqué. Faut les faire rire. Regarde, ça marche, tu rigoles. Ah, parce qu'il faut que je la chatouille, alors. Mais pas tout de suite. Dans un premier temps, il faut faire preuve d'humour. Bon, tu sais, moi, l'humour, je sais pas trop si j'en suis capable, hein. Voilà. Et en plus, il paraîtrait qu'elle a un sacré caractère de cochon, la fromagère. Eh ben, comme la Toinette. Elle s'est mise en telle qu'elle avait profil Luster. C'est comme si toi, tu voulais être ingénieur. C'est pas possible, hein, faut se rendre à l'évidence, hein. T'as pas inventé l'eau chaude, hein. Ah ben, surtout, ils savent jamais. Ah ben oui, il nous a raconté que l'autre jour, Yves Debonnet, hein, il s'était pissé dans le falza, ça y avait descendu jusque dans les godasses. Oh, puis il en reste. Et le pire de tout, c'est qu'il va changer sa veste après-demain. Mon Rinette, comment tu l'as élevé, ton gamin? Oh là là. Tu veux me le faire payer? Y'a pas de raison que j'y aille toujours toute seule! Surtout que c'est toi qui manges les trois quarts de ce que j'achète! Mais va pas si loin! Putain, de toute façon, tu peux pas y aller comme ça, tiens! Oh, on dirait qu'il est tombé dans un pot de peinture! Bah justement! Je veux qu'on m'en regarde! J'en ai marre d'être transparent! Et ben ça fait pas de mal. Un renvolement de façade, c'est quand même pas une maison, à ce que je sache. Je veux que les regards se posent sur moi. Rien que sur moi. Tiens, regarde, Nicolas. N'arrête pas de me reluquer depuis tout à l'heure. Oh, c'est bon, hein, arrête d'entendre la tonnette, toi, là-haut. Il faut que je ferme les yeux à chaque fois que je croise la toilette. Maintenant, ça va pas être simple. Ah ben tiens, dis, Céline, viens me voir avant là 2 minutes. Qu'est-ce t'en penses de ta mère? Qu'est-ce qu'elle est belle, ma maman, elle est trop belle. Ah, en voilà une qui voit clair. Oui, bon, enfin, admettons. Dis donc, pourquoi tu n'essayes pas de t'arranger aussi, toi, un peu, non? Mais j'y arrive pas, mais j'y arriverai jamais. Désolée, je n'arriverai jamais. Bah oui. Rien ne peut arriver à vous de sale laideur. Et moi non plus, j'étais pas très belle quand j'étais jeune. Puis je me suis arrangée avec l'âge. Oui, on a pas les vieux, on a le droit d'être tout fané, hein. Bref, faut que t'arrêtes de dire qu'elle est moche, hein. Surtout devant elle. Puis d'abord, elle est pas moche.
Elle est juste pas très belle. Là, hein? Moi, en attendant, je me suis fait belle pour aller faire les courses. Alors j'aimerais bien que mon bonhomme se bouge le cul pour m'accompagner. Je t'avoue que ça me fait un petit peu peur. Tu veux pas y aller toute seule? Oh, moi non. Ben tu pousseras le caddie, tiens. Il est content, hein, caddie? Le caddie, tu sais que ça? Oh, ben mon pauvre Swan, il est vraiment temps que tu te mettes à aller faire les courses, hein. Oh, bon, allez, va jouer, c'est la voyure. Moi, je vous attends là. Tu vas pas être là alors qu'on est pas là. Bah, une fois, t'as bien dit que j'étais un peu comme chez moi ici. On peut peut-être pas toujours écouter ce que je te dis, hein. Si tu vas rester là, tu vas rester avec la mère. En plus, elle s'est endormie, tu vas avoir la paix. Mais non, mais puis moi, je préfère qu'il reste là parce que comme ça, il peut veiller sur la Tony. Parce que tu sais, les agressions sur les jeunes filles comme elle, eh ben, y a pas qu'en ville que ça existe. Donc moi, ça me rassure. Mais personne n'en voudrait. Puis d'ailleurs, à 40 ans, c'est plus une jeune fille, je t'assure. Bon, on y va là, plutôt que de descendre cette pauvre Tony. Pourquoi que tu dis que personne n'en voudrait? Hein? Tu sais, elle s'est pourfaite toute seule. Si elle est moche, c'est pas de sa faute. Elle vient que de la nôtre. Allez, on y va! Ah, t'as vu, toi aussi, tu dis qu'elle est moche. Et vous inquiétez pas, hein? Je suis un beau chien de garde. Aïe, conzien. Tu vois, ils me sont vingt dans une bassine, mais maintenant. Il a dû voir ça à télé. C'est qui qui a laissé faire la toilette? Il fait comme des connaisseurs. Ça doit être pour l'aérer. Oh, il a de la cuisse. Il y a quelqu'un? Ben, il y a moi. Qui ça, moi? Eh ben, moi, Lugolin. Tu vas pas rester derrière cette porte, la fromagère. Chez les gens comme ça, moi, hein? Je suis pas chez moi ici. Oh, ben moi, je me pose pas tant de questions. Moi, quand j'arrive ici, je rentre puis je m'installe, tu vois. Je vois ça, oui. Dis, les patrons sont pas là. Non, le frigo était vide, ils sont partis le remplir. Oh, ben non. Moi qui venais voir s'ils voulaient un petit bout de fromton. Tu veux de la vente à domicile, toi, maintenant? Ah, ben oui, hein. Tu sais, ils sont plus contentés d'attendre les gens dans le magasin. Il faut emmener le magasin chez les gens. Mais t'es jamais venu chez moi? Ah si, je suis passée chez toi. Mais c'est toi qui n'es jamais là. À croire que tu t'y plais pas. Ah oui. Ah pour sûr, je dois être mieux là, du coup. Ah ben tiens. Eh ben pour me faire pardonner de pas être chez moi, eh ben je t'invite. Ah bon? Tu veux qu'on aille chez toi? Non, je t'invite ici. On va casser une petite croûte, puis je vais pouvoir te dire des choses. Ah oui, quel genre de choses? Oui, bah ben, des choses, tiens, installe-toi. Tu veux que je t'aide? Non, reste assise, t'es mon invité. Là, on va mettre les assiettes. Oh, c'est qu'elle aimait. Tiens un verre. Tu viens t'asseoir. Je vais te boire un coup. Mmh.
Pour parler de ça,
rigole, toi. Il m'a juste dit de te faire rire. Eh ben, c'est plutôt mal parti, hein. Tu sais vraiment pas parler aux femmes, toi. Dis, je peux savoir ce qu'elle fait là, ma fromagère? Ben, je l'ai invitée, comme tu m'as dit. Mais tu pouvais pas l'inviter chez toi, non? Ben, tu sais bien que chez moi, c'est pas présentable. Tiens, d'ailleurs, c'est ce qu'on coulait avec la petite fromagère. Tu pourrais pas me prêter la maison 2-3 jours? Quoi? Ah, vous irez chez moi en attendant. Vous allez quand même pas me foutre dehors? Oh! C'est bon, Gaulard, là, tu pousses le bouchon un petit peu loin, là, c'est bon, je suis déjà assez énervé comme ça. Ah, à cause de moi? De la toilette. Oh. Figure-toi que madame est en train de se trémousser dans les rayons. Alors, je suis revenu tout seul, à pied, avec le caddie. Eh ben, dire que je ne savais pas ce que c'était de faire les courses, eh ben, je vais te dire. On a bien rattrapé le temps perdu, lui et moi, pendant que madame se trémoussait dans les rayons. Attendant qu'un regard se pose sur elle. Ah, les bonnes femmes. J'aurais mieux fait de me taire quand je lui ai dit qu'elle avait pas le profil d'Ulster. Je pensais pas que ça allait la rendre complètement zinzin. Oh. Et moi, en attendant, ben, j'ai écouté tous tes conseils. Et je l'ai même fait rire, la fromagère. Par contre, c'est quoi être... romantique? Ah ben, c'est de dire qu'elle est belle, par exemple. Même si c'est pas vrai. Ah, parce que font plus que j'ai dit ce qu'elle est belle. Oh, et par contre, c'est vrai qu'elle a un sacré caractère de cochon, la fromagère. Et ça, j'ai dit. Ah. Oh non, mais Hugolin, il y a des choses qui se pensent mais qui ne se disent pas. Ah oui, mais moi, je veux qu'on se dise tout dès le début. Eh ben, t'es pas la boutique d'Alonte, hein. Un vrai bourricot. Oh, la couche. Eh ben, ça, j'ai dit justement à la fromagère que je portais le bonnet d'âne à l'école. Non mais Gaulin, c'est pas possible. Faut que tu rattrapes le coup, là. Ah, faut oui? que t'ailles la voir. Que tu lui dises que t'aimes les femmes avec un fort caractère. Et ce que tu lui as dit, c'est pas un reproche, mais plutôt un compliment. Il y a trop d'infos, ça va pas le faire. Et faut en plus que j'y dise qu'elle est belle, alors? Eh ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Oh, dis, viens plutôt m'aider à vider les courses. Moi, je vous dis qu'il est pas posé, le machin. T'as des problèmes intestinaux, toi, maintenant? Oh non, pourquoi tu dis ça? Oh non, comme ça. Eh, t'as vu, hein? C'est quand même du extra doux parfumé. La tournine, elle prend toujours du fort cher. Ben, tu sais quoi? Ben moi, ça m'irrite, là, au niveau du... Oh, dégueulasse. Oh, on a compris, hein. Tu fais la grève de la faim? Oh non, pourquoi tu dis ça? Non, mais parce que là, il n'y a rien à graille dans tout caddie, là. Comment ça? Il n'y a même pas un peu de saucisson? Non. Oh, ben, le caddie était plein, j'allais quand même pas en prendre un deuxième, non? Bon, ben, c'est pas ton truc, les courses, toi. Ah ben, toi, c'est comme toi, c'est pas ton truc, les femmes. Tu sais quoi? Un papier toilette, on en a toujours besoin. Moi, personnellement, c'est ce que j'utilise le plus. Eh ben, te v'là, je croyais que t'étais perdu dans les rayons, t'es. La star, elle se déclasse. Oh, la même. J'avais besoin de prendre du bon temps. On va prendre du bon temps dans les rayons d'un supermarché, il va falloir que tu m'expliques. Ben moi, en tout cas, ce que j'ai à dire, c'est que vous allez avoir le cul propre. Ah, ah, il est là. Et oui, il a l'air pris pour un régiment. J'ai quand même pris le temps de le choisir, hein. Il sera donc parfumé. Ça va nous changer de la feuille de dos. Et sinon, c'est quoi le but là? Tu comptes te le bouffer ton PQ? Y'a rien à manger là-dedans! Eh ben, tiens! On mangera la gamelle du chien! Oh non, merci! Merci, mon bon. Comment ça, la gamelle du chien? Mais oui!
tous les restes de la semaine pour le chien. Oh, mais je me disais aussi, mais qu'est-ce que c'est que cette soupe? Il y a même un os dedans. Oh, par contre, je me suis régalée. Allez, bravo, la Toinette. Hein. T'as bouffé dans la gamelle du chien. Et c'est tout l'effet que ça te fait. On t'a dit de faire un chien de garde, on t'a pas dit de bouffer comme lui, Joe. Et t'es quand même pas tout là. Tant que tu y es, t'as qu'à boire le bain de pied à la toilette, quoi. Voilà, voilà. Ça, la petite pleine. Mais je me disais aussi, mais qu'est-ce qu'il a à mettre son vin dans une bassine? Rassure-moi. Je crois que c'était pour l'aérer, hein. T'en as quand même pas envie? Oh, que ça. C'est bon à attraper des boutons, ça? Que ça. On s'ennuie jamais là-dedans. Oh, bah. Et ben voilà, c'est ce que je craignais. Il en a fait mère à tout le monde, cet imbécile. Oh, bon, je pouvais pas savoir, moi. Oui, parce que, figure-toi qu'ils se sont fait un repas. Oh, combien succulent, apparemment. Faites donc voir la plus pauvre vache. Oh, ah ben oui, on dirait comme des grosses verrues, hein. Ben, je suis désolé, hein. Oh bah, et moi qui devais dire que t'étais belle, bah c'est foutu avec la collection de bouffioles que t'as sur la douille. Oh, c'est dégueulasse. Oh. Eh bah dis donc, tu t'y prends vraiment comme un âne avec les femmes, toi. Oui, oh, et moi, bah, je fais ce que je peux, hein. C'est facile. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh bah, il se passe que le Hugolin a encore fait des siennes. Oh, il arrive trop. Oh. Oh. C'est des nippons. En fait, c'est pas la fromagère que j'ai envie de dire qu'elle est belle. Ah bon? C'est pour ça que je suis aussi maladroit avec elle. Oh. Mais plutôt la tonine. Ah ah. C'est pour ça que je viens aussi souvent ici, Tonine. C'est avant tout pour te voir. Tonine, t'es pas belle. Mais magnifique. Oh. Ah. Voilà, ça fait 40 ans que j'attends qu'un homme me dise que je suis belle. Mais j'ai toujours dit que si un homme me le disait un jour, mais c'est celle-là. Ce serait l'homme de ma vie. Oh, tu fais de moi l'homme le plus heureux du monde. Oh oui, on sera heureux, je te le promets. Oh, Tony, oh, je t'aime comme t'es. Oh, je veux pas que tu changes, non. Non, je veux pas que tu fasses la star comme certaines. Non, je veux juste que tu sois la star de mon cœur. Oh. Romantique. Ah, tu vois une tonne que je peux être romantique. Dis. On est les enfants moches même comme nous. Et tant qu'ils seront moches, tant qu'on les aimera. Oh oui, et en premier, je vois un garçon. Oh. Et tu sais comment on l'appellera? Ah ben non. Togola. Togola. Oui, Togola, un mélange de nous deux, de nos deux noms, Tonine et Hugola. Togola. Ah bah, vos papas, vos mamans, vous dites rien. Ils sont émus. Ah, c'est ça, vous êtes émus. Mais c'est quoi, on peut dire, hein. Tout est bien qui finit bien. Oh là là, et je l'ai récupéré en pleurs là-bas. Oh. Elle m'a tout expliqué. Hein. Ah, t'es vraiment un goujat, mon fils. Non, tout est bien, tu finis bien, mon
mariée. Mais c'est pas possible. Pourquoi elle ne pleut pas, maman? C'est qui là? Je crois qu'il est temps que je vous dise quelque chose. Antoine! Hein? Oui. Tu te souviens, il y a 40 ans, derrière l'église, par le 14 juillet? Le 14 juillet? Si tu crois que je me rappelle de ce que j'ai fait il y a 40 ans, alors que je me rappelle pas de ce que j'ai fait hier. Et qu'est-ce que j'avais fait il y a 40 ans là à l'église? Ben, on a fait ça là. Hein? Pour un coup qui la sauve. C'est ton gamin, Nicolas. C'est pas possible. Comment ça, c'est mon fillon ça? Eh ben je comprends mieux pour qui que c'est ça. Si bon à rien, c'est tout pour qu'elle s'en paie. Oh papa, mais t'es mon papounet. Mais c'est pour ça que je m'étais tant attachée à toi, papa. C'est pour ça qu'il faut pas ajouter la douleur. Ah bah non. Puisque c'est ça le ministère. Tu te souviens de toi il y a 40 ans derrière l'église? Ah oui, si, je m'en souviens, moi. Mais tu peux t'en rappeler, toi, imbécile. Ah, c'est vrai, j'étais tout petit. Mais t'étais pas tout petit, t'étais rien. J'étais con. Oh, et moi qui me faisais une joie d'épouser la Tonine. Tu perds un petit loupio. D'ailleurs, j'aurais été quoi moi pour lui? Parce que par exemple, comme je voulais un garçon, et je l'aurais fait avec ma demi-sœur. Oh. J'aurais été un petit peu comme mon demi-frère. Oh, oh t'es toi, tu me fatigues. Ah, bah moi en tout cas, ça me soulage d'un poids. Oh, vous pouvez pas imaginer. Ah, si, on imagine bien, oui. Ah, mais tu t'es mon papa? Non. En fait, je suis un peu comme chez moi. Non. Oh, bah si. Ah, bah le mieux maintenant, c'est que je viens de m'installer ici. Une pièce de Jérôme Dubois. Alors, dans le rôle de ma Toinette à la fois belle ou rebelle ou moche, je ne sais plus, Céline. Dans le rôle de la pauvre Marinette qu'a son gorge et sait pas trop quoi en faire, Marilyn. Dans le rôle de ma fille très belle, Sylvie. Dans le rôle de ma mère, qui n'a aucune réflexion, qui ne parle jamais, Odile. Dans le rôle de la fromagère, qui a plus de fromage sur la goule que qu'elle en mange, Gaëlle. Dans le rôle du Golin, très instruit, mais pas intelligent du tout, mais là. Et
dans le rôle de notre souffleuse qui nous aide bien des fois, hein. Fanfan. Et dans le rôle de mon cher papa d'amour, Valérie. Je comprends pas. Qu'est-ce que... Quoi? Non mais parle, je comprends pas en fait. Vous avez compris, non? Ah oui? On va pouvoir aller boire un coup, aller manger un truc, prendre l'air. Et puis à tout à l'heure, d'ici 15-20 minutes. Merci. Et pour ceux qui sont amateurs de vin, il en reste.